Laurent Béret, bonjour. Sixième édition du concours international de Lyon. Un concours international s'il en est, avec la présence des sommeliers de Lyon de la région Rhône-Alpes, dont vous êtes le président, ASLERA, Association des sommeliers de Lyon et de la région Rhône-Alpes. C'est important pour les sommeliers de cette région de participer et de cautionner ce concours en quelque sorte. C'est fondamental, notre rôle il est vraiment là. Notre rôle il est de développer le savoir du vin dans la région, d'être là pour sélectionner les vins, pour encadrer les comités de dégustation comme celui-ci. En plus, là, c'est quand même le salon par excellence qui prend de l'ampleur, qui est excellemment bien organisé. On a vraiment 600 dégustateurs, plus de 4000 vins. C'est un salon qui est en train de faire référence. Et notre devoir de sommelier, nous goûtons du vin pour l'acheter pour nos clients. Bah, aujourd'hui, nous allons goûter pour aider les clients à l'acheter, donc à obtenir des médailles sur ces vins. Et c'est très important d'être là, oui. C'est aussi un lieu sur lequel on peut souvent découvrir des pépites. Oui, oui. Alors l'intérêt, c'est que là, vraiment, tous les vins sont goûtés à l'aveugle. Hein. C'est là l'importance de ce genre de concours où les vins vont être jugés pour leur qualité organoleptique, leur saveur, leurs arômes, leur robe, où vraiment les clients vont pouvoir, les dégustateurs vont pouvoir les juger sans avoir l'a priori de l'étiquette. Donc oui, c'est là où on se rend compte qu'il y a effectivement de très, très belles surprises. Laurent, l'actualité des sommeliers en Rhône-Alpes? Oh, l'actualité, elle est riche comme tout le temps, parce que nous bougeons, nous essayons d'être ici dans les différentes manifestations, dans les vignobles. Il y a eu Chénat il n'y a pas très longtemps, nous étions présents également sur le Syrah, mais actuellement nous sommes ravis, c'est que nous avons eu un nouveau meilleur ouvrier de France sommelier, qui montre que les sommeliers de la région Rhône-Alpes. Denis Vernot, qui est le chef sommelier, directeur de salle de la Mer Brasier auprès de Mathieu Vianney. Ben, cela montre qu'une fois encore, un sommelier lyonnais a fait parler de lui au sein des concours nationaux. Et pour nous, c'est très important de montrer qu'il y a un vrai savoir-faire de la sommellerie lyonnaise. Et nous sommes contents de l'avoir entouré, de l'avoir aidé un petit peu dans sa préparation. Mais bon, tout le mérite lui en revient. Mais voilà, l'actualité lyonnaise, c'est ce sourire et cette fierté que nous avons pour lui. Le mot de la faim ou plutôt le mot de la soif ce matin? Non, encore aujourd'hui une grande dégustation ici à Lyon. La preuve que Lyon est bien une grande ville du vin. Laurent Déret, merci et beau concours. Merci.